26 juillet 2015. La salle de cinéma est comble. Je me trouve au Legend Cinema, à Phnom Penh, capitale du Cambodge. Ces spectateurs sont réunis autour d'un événement organisé par Pressoria, groupe de cinéphiles passionnés par l'âge d'or du cinéma cambodgien. Entre 1960 et 1975, date de la prise du pouvoir par les Khmers Rouges, l'industrie cinématographique cambodgienne a produit près de 400 films, projetés dans plus de 30 cinémas à Phnom Penh. Les Khmers Rouges ont détruit cette industrie florissante, ainsi que toute la richesse culturelle du pays. La plupart de ces films ont disparu. De certains, il ne reste que des chansons. Des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, c'est toute une industrie cinématographique qu'il a fallu reconstruire. Haven't you made a research about the Cambodian cinema back to the old days? Sam Nong Eng, étudiant en multimédia et communication. You know, actually, Cambodian... Mais si on pense au cinéma cambodgien du passé, vous savez, le Cambodge a produit pas mal de bons films. J'en ai vu certains, j'adore ces vieux films cambodgiens. Ouais, ils sont difficiles à trouver en France, j'en ai pas vu beaucoup. You heard about Golden Age. Yes. Jim Dacoon, cinéaste. During the Golden Age, yeah. Vous avez entendu parler de l'âge d'or ? Pendant l'âge d'or, nous étions parmi les meilleurs d'Asie. Nous étions un pays qui pouvait produire des films et les exporter, même à Taïwan, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour. Ils voyaient le Cambodge comme un pays de cinéma, mais maintenant, la guerre a tout détruit. Actually, Bopana Center was officially open to the public since 2006. Sop Hip Che, vice-directeur du Centre Bopana. Le Centre Bopana a été ouvert au public en 2006. Les principaux objectifs du centre sont de collecter et de conserver les archives audiovisuelles cambodgiennes, les promouvoir auprès du public et développer le secteur audiovisuel au Cambodge. Comme vous le savez, le pays a traversé une période de guerre civile, de génocide, et tout a été détruit. Après les Khmers Rouges, le Cambodge a dû repartir de zéro. Nous avons perdu une partie de notre mémoire audiovisuelle. Il est donc très important pour nous, nouvelle génération, de collecter ces images et de les conserver en un seul lieu afin que le public puisse y avoir accès et comprendre le passé pour mieux aller vers l'avenir. Jai Khon, cinéphile et cinéaste au Cambodge. Un documentaire sonore réalisé par Naïd Lancio, avec le soutien de la Fondation Zelidja. Et à l'époque, en 2007, si tu veux, ici, il tournait quasiment que en DVD. Jean-Baptiste L, ingénieur du son. À l'époque, on était quand vachement en film. Donc, il n'y avait pas de possibilité d'un cinéma cambodgien. Enfin, tu vois, moi, je posais sur des films en France, je suis arrivé là et j'avais fait le film de Ritipan à l'époque, là, le barrage contre le Pacifique, en seconde équipe. Hein. Et voilà, bon, tu vois, il y avait une sorte de décalage. Et donc, là, à l'époque, on avait tourné en 35 mm. Puis après, je suis revenu en France, je suis revenu en 2010. Et là, à partir de 2010, on a commencé à voir, bah, grâce au 5D, au Canon, on a commencé à voir des gens, des étrangers qui sont d'abord venus faire des longs métrages ici. Et voilà, puis la possibilité pour, tu vois, pour des gens, bah, comme en France, c'est-à-dire que tu pétais 3 000-4 000 $, tu avais ton 5D avec ton objectif, bon, bah, tu pouvais tourner en HD quasiment dans le même format que les pros, quoi, tu vois, dans la limite où c'était. Et donc ça, ça a permis à une sorte de nouvelle génération de cinéma cambodgien de commencer à apparaître. Et notamment depuis, disons, je crois que c'est 2012-2013, quand il y a eu les nouveaux cinémas qui sont ouverts. Et donc du coup, tu as eu un débouché pour ça. Thank you.
Je suis arrivée au Cambodge il y a près d'un mois. Je vais à la rencontre de réalisateurs, des techniciens, mais aussi des spectateurs et de toute personne liée au secteur de l'audiovisuel à Phnom Penh. J'aimerais faire un bilan de la situation actuelle du cinéma au Cambodge, du point de vue de la production audiovisuelle, comme de la diffusion et de l'accès à la culture cinématographique. Il n'y a pas une grande industrie du film ici. Même au niveau des équipes de tournage, beaucoup de films se retrouvent à avoir les mêmes membres. Loyauté. C'est souvent des équipes similaires ou au moins certains membres qui sont en freelance. Oui. Car il y a encore peu de gens qui sont vraiment qualifiés et qui ont le niveau. Donc, niveau technicien. Ouais, niveau technicien, voilà. D'accord. Et vu qu'ici, il n'y a pas énormément de films qui sont produits encore parce que l'industrie est jeune, l'industrie elle est renée il y a 4 ans. Un film est produit en moyenne sur un budget de $20,000. Oui. Ce qui est relativement minuscule, voire ridicule, comparé à les budgets qu'on aurait en France sur des films. Donc en fait, il y a deux mondes actuellement. Les films de base primaire qui sont faits pour 3, 4, 5 000 dollars, tout compris. Un peu à l'arrache en vidéo, enfin au 5D maintenant. Et puis tu as des films qui essaient de faire un peu mieux pour des budgets, on va dire, de 20, 30, 40 000. Parfois, ça peut monter jusqu'à 100 000. Ou un peu plus, quoi. Voilà. Les films à petit budget, ça s'est arrivé plutôt populaire. Ouais, voilà. Bah, en fait, c'est des films de fantômes. En fait, comme ils disent, il faut que ça soit des films avec plusieurs saveurs. C'est-à-dire qu'un film, ça peut pas être qu'une comédie, ça peut pas être qu'un film d'horreur, ça peut pas être qu'un film de fantômes. Donc, il faut que tu aies un peu de tout, un peu d'action, un peu d'amour, un peu de. Voilà, ça c'est ce qu'ils aiment en fait. Et puis, il y a quelques trucs comme le film de The Last Film, où tu vois, c'est des films faits à moitié par des étrangers, avec qui aide un réalisateur cambodgien à faire des choses. And now there are a lot of popping up, you know, a lot of those kind of production they're popping up. I like, whoa, so many now. I know which is which anymore. Darung Monikan, réalisateur. Maintenant, ces sociétés de production populaire sont nombreuses. Il y en a tellement, je ne sais plus qui est qui. Elles sont très isolées, ou plutôt nous sommes isolés d'elles. La seule chose que nous avons en commun, c'est les techniciens et les loueurs de matériel. En termes de producteurs et de réalisateurs, nous ne nous connaissons pas vraiment. Nous ne communiquons pas. Ainsi, la production semble vraiment divisée entre d'un côté de grosses sociétés de production qui, en plus de produire les clips des karaokés très répandus ici, réalisent quelques films à petit budget, et de l'autre, les cinéastes indépendants ayant parfois créé leur propre maison de production. Pour le moment, je laisse de côté les films de fantômes pour m'intéresser à ces réalisateurs indépendants. My name is Chai Bora. I'm a film producer and director. Je suis Chai Bora et je suis réalisateur et producteur. Je suis devenu réalisateur en 2007. Hearing in the court for the Khmer tribunal. And I found that j'ai suivi les procès des Khmer Rouges dans les tribunaux internationaux. En entendant les dirigeants Khmer Rouges parler, je n'ai pas trouvé assez de vérité dans ce qu'ils disaient. True enough because I am the witness, I'm a survivor, you know. Parce que je fais partie des témoins. J'ai donc décidé d'écrire mon histoire, ou plutôt celle de la mère de mon épouse qui a vécu sous le régime des Khmer Rouges. Nous avons fait un film basé sur l'histoire vraie de ma belle-mère. I start thinking about to continue my career as a filmmaker. J'ai ensuite pensé à poursuivre ma carrière de réalisateur. J'ai commencé un autre film nommé 3.5, basé sur des faits réels, à propos des trafics sexuels au Cambodge. And yeah, now I'm keep making film, you know. I plan to produce the biography film. Maintenant, je continue à faire des films. J'ai un projet de biopic sur un chanteur khmer célèbre, Sin Sisamous. Vous en avez entendu parler.
roughly calculated the cost, you know, because I want to make scene. J'ai essayé de calculer rapidement le coût du film, parce que je voulais tourner une scène en 1975, quand les Khmers rouges ont pris le pouvoir, ils ont évacué Phnom Penh. Je m'en souviens, j'avais 12 ans, j'étais dans la rue. Il y avait des millions de personnes qui marchaient très lentement dans la rue, vous savez, avec des vieilles motos, des voitures. Et les gens avec les vêtements de 1975, avec des cheveux longs, vous imaginez. Of 1975 with long hair, you know, you can imagine that. Yes, and the Khmer Rouge soldier with a black clothes. You know, et les soldats Khmer Rouge habillés en noir qui marchaient de l'autre côté. Mais ça coûte très cher. It's a lot of money, a lot of money. And then you said, oh, cut this away, cut this away. You cannot cut this away. This is a very important. Alors on m'a dit, coupe la scène, on coupe. Mais on peut pas couper ça. C'est un épisode essentiel dans l'histoire. J'ai eu une mauvaise expérience dans mon premier film. Je n'avais pas beaucoup d'argent et j'ai essayé de couper des scènes. Du coup, ça ne rendait pas très bien. And for the film, we have our own production company called Hanuman Films, which I am the line producer of. Kulikar Soto, réalisatrice. Nous avons notre propre société de production appelée Hanuman Films, dont je suis la productrice exécutive et l'une des propriétaires. À Hanuman Films, nous coproduisons beaucoup de films internationaux qui viennent tourner au Cambodge. Récemment, nous avons produit notre propre projet, nommé The Last Reel, la dernière bobine. Nous avons terminé le film en octobre 2014 et nous l'avons soumis au Festival international de Tokyo et nous avons gagné l'award Spirit of Asia. Il a ensuite eu une diffusion internationale. Pendant plusieurs années, Hanuman Films est resté une société de service, travaillant pour des maisons de production internationales. Ce n'est que récemment, il y a 4 ans, que nous avons commencé à réaliser nos propres films. Pour le moment, 50% de notre travail est consacré aux projets internationaux et 50% à nos propres projets. Pensez-vous qu'il y ait une unité dans la production audiovisuelle cambodgienne ? Est-ce qu'on peut parler d'un réseau ou est-ce qu'il s'agit surtout d'initiatives individuelles ? It's getting better. It used to be quite individually. Ça s'améliore. Avant, c'était très individuel. Chaque groupe travaillait sur ses propres projets sans se connaître. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'échanges. Ça s'améliore. Yeah, it's getting better on that aspect. At the moment, it's quite individual. Soukyu Che, réalisatrice de court-métrage. Pour le moment, c'est assez individuel. Peut-être que ce serait bien si nous avions plus d'ateliers où les gens pourraient se rencontrer et échanger des idées. Nous avons le groupe Facebook Khmer Filmmaker Network, mais ça reste virtuel sur un réseau social. On prévoit de créer quelque chose de semblable, mais de réel, où les gens pourraient venir et se voir et discuter en face à face. Ce serait bien d'avoir quelque chose comme ça. Direct, indirect contact, so people can come. So Chandara, vice-directeur de la commission du film cambodgien. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup en contact avec les jeunes filmmakers. Parce que la mission, moi, je vais encourager. Moi, je ne suis pas un cinéaste, je ne suis pas un filmmaker, mais je suis plutôt la communication au niveau film commissionneur. Encourager les jeunes, mettre en place les gens, rencontrer les gens, créer, gens comme, créer le chemin pour eux. Voilà. Et j'ai créé une page de Facebook My Filmmaker Network. Vraiment, la vision, c'est pour mettre en contact les gens, rencontrer, partager, savoir-faire, ici, poser des questions. Voilà. C'est ça. C'est pour essayer de créer un cinéma cambodgien un peu unifié. Oui, c'est moi. C'est moi. C'est, en fait, c'est l'idée des petits ruisseaux font des grands rivières. Hein, parce que là, au début, c'était partout comme ça, mais les gens ils se connaissent pas trop. Il n'y a pas le rien, personne ne connaît d'autres personnes, c'est ça. Donc à partir de la création de la page Facebook de la fille, ça encourage les gens à communiquer, à partager des idées, des connaissances comme ça, échanger et tout. D'accord, ouais. Ça, c'est ça.
ça s'améliore au niveau de... Oui, beaucoup, Ça, c'est juste un patch, mais ça aide beaucoup, je te jure. On peut donner le travail à quelqu'un, s'il y a jamais, il y a des... Moi, c'est beaucoup, moi, j'ai beaucoup demandé de travailler sur cette patch. Hein. Et aussi, j'avais un projet. Moi, je vais créer un événement appelé Cambodia Film Hub. Hub, H-U-B. Hub, c'est comme connexion. Oui. Donc, ça veut dire que chaque deux mois, moi, j'invite des gens du cinéma, des filmmakers, des jeunes réalisateurs, des producteurs qui sont là. On invite pour boire un coup, voir un film, discuter, voilà. Le court-métrage, c'est une manière magnifique, une manière efficace. Un court-métrage qui est bon. Après, pour montrer, ça c'est mon court-métrage que j'ai fait ça depuis un an, depuis deux ans, depuis trois ans. J'ai participé à ce festival, j'ai un grand succès au festival de Cannes, j'ai un succès au festival de Busan. Comme ça, ah, c'est pas mal ce mec-là. Pourquoi on ne peut pas investir $10,000 pour fabriquer une petite fiction? Après, voilà, petit à petit, il monte. Voilà. We would like to welcome everybody to the press conference of Chatuchong Short Film Festival 2015. Bienvenue à tous à la conférence de presse dédiée à l'édition 2015 du festival de court-métrage Chatuchong. Cela est possible grâce au collectif Kuntmer Kuntmer et le Major Cineplex. Aujourd'hui, nous allons annoncer ce que nous allons faire cette année au premier festival de court-métrage cambodgien. Monsieur Seyla, de Kuntmer Kuntmer, va parler en premier. Mr. Seyla from 4K will talk first. L'important pour un festival de court-métrage, c'est que tous les jeunes cinéastes devraient commencer par le court. Je pense que le court-métrage est une expérience capitale pour tous les réalisateurs avant de poursuivre avec le long-métrage. Il est donc important que le festival de court-métrage de Chatuchong se déroule chaque année. C'est une bonne opportunité pour tous les jeunes cinéastes et tous les gens qui aiment faire des films de s'exercer à la réalisation et de diffuser leur travail. Ainsi, ils auront l'opportunité de devenir des réalisateurs de long-métrage et de s'améliorer par la pratique. There are lots of people with talents in Cambodia, mostly the young people who are connected to internet and connected to YouTube. Il y a beaucoup de jeunes talents au Cambodge. Ils sont connectés à internet, à YouTube, où ils sont exposés aux nouvelles images et aux nouvelles technologies. Le but du festival de cette année est de trouver ces talents et de les mettre en contact avec l'industrie. So, one of the goals of CS to Chatuchong Short Film Festival this year is to find these people and showcase them to the industry and have the industry be involved and come and look for fresh talents. Et donc tu as réalisé ton premier court-métrage, Lek ? Lek, oui. Darong Manikan. Quand je travaillais à la BBC, nous tournions un téléfilm et nous avons entendu parler du festival Tropfest. Il y avait une affiche qui l'annonçait et nous passions devant tous les jours, donc nous avons fini par nous dire « Participons ». Donc certains d'entre nous ont essayé et ont été sélectionnés. Une de mes collègues a même eu le premier prix. Quant à moi, j'étais dans les finalistes. Nous sommes allés au festival en Malaisie, c'était sympa. Beaucoup de films cambodgiens ont été sélectionnés et certains ont eu des prix. Le court-métrage est donc aujourd'hui un format privilégié par les jeunes réalisateurs cambodgiens, qui peuvent ainsi acquérir de l'expérience et de la légitimité. Mais comme rien ne se fait sans un financement, même un film, j'ai demandé à ces réalisateurs comment ils ont produit leurs films. You mean funding? Yes. Pour le financement, j'ai utilisé mes propres économies. Donc c'est autofinancé? Oui, c'est ça.
Oh, the money is from my pocket, from my saving. Oh, l'argent. L'argent vient de ma poche. Du moins pour le premier film. Mon deuxième film est coproduit avec Singapour. Pour le troisième, j'ai signé avec une chaîne de télévision locale. We signed the contract with the television channel here. Yeah, so we got the money from TV station. I got a funding from a friend actually. Kavish Nayang, réalisateur. Ah, j'ai obtenu un financement de la France en fait, du festival de Vesoul, le festival des cinémas d'Asie. Pour mon prochain court-métrage Tuk Tuk, j'ai fait du crowdfunding sur Indiegogo. The fundraising from website. Crowdfunding? Yeah, crowdfunding. Yeah, like Indiegogo. Yeah. Even how do I raise the budget? Yes. The last reel is. Vous voulez dire comment j'ai trouvé les fonds? The Last Reel est financé à 99% par Anuman Films. Le reste vient de quelques amis qui croyaient en notre projet. C'est difficile de trouver des fonds pour faire un film au Cambodge, parce qu'il n'y a pas encore d'industrie. Ça ne fait que recommencer. Nikolaus Mesterhaus, directeur du centre culturel Meta House. Dans ce pays, il n'y a pas vraiment de fonds pour l'art et la culture. Donc les financements doivent venir de l'international. Non, il y a quand même de nouveau des investisseurs. Certains riches cambodgiens commencent à financer des films, en tout cas des fictions. Il y a des fondations locales pour les longs-métrages. Il y en a peu, mais elles existent. Évidemment, il devrait y en avoir pour les documentaires, de la part de l'État et des chaînes de télévision qui devraient employer des réalisateurs. Mais c'est progressif. Local film funding also for local documentaries. State TV, TVK should also air them. But it's kind of a process, so. For the money, I don't think it's a problem. For the budget. Yin Moni Touch, professeur en multimédia à l'université. In Cambodia, we can produce film in 20K. Pour l'argent, je ne crois pas que ce soit le problème. Au Cambodge, nous pouvons produire des films pour 20 000, $30 000. J'ai rencontré des distributeurs locaux. Ils m'ont dit, si vous avez un bon script, nous pouvons le produire. Ils peuvent payer jusqu'à 1,5 million. Bien sûr, pour les Occidentaux, ce n'est pas beaucoup. Mais pour nous, ici, 1,5 million de budget est beaucoup. Ici, les gens ils pensent toujours au business. Ritea Pichit, cinéaste. Bah, comme on voit tous les jours, là, ce sont des productions qui pensent à faire de l'argent. Ce sont, si les producteurs et les réalisateurs sont des businessmen, il faut qu'ils soient aussi des artistes. Right now, a lot of Cambodian young filmmakers, they produce a short film by themselves. Pak Borak, vice-directeur du département du cinéma au ministère de la Culture. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes cinéastes produisent des films par eux-mêmes. Ils peuvent obtenir un soutien s'ils le demandent au gouvernement, en termes de matériel ou de lieu de tournage. Recently, the government, our prime minister, has said. Récemment, notre Premier ministre a chargé les ministères de l'Information, des Finances et de la Culture de créer une fondation. Elle s'appelle Khmer Art Foundation. Elle doit soutenir les activités artistiques locales, dont le cinéma. Elle est encore en cours de création. On espère que ce sera terminé en 2016. Après ça, peut-être que nous pourrons soutenir financièrement la production locale. Est-ce que vous recevez une aide de la part de l'État? Oui, ils nous aident. Sopipche. Même si ce n'est pas financièrement. Ils nous fournissent les locaux.
On ne peut pas trop leur en demander, le gouvernement n'est pas très riche. Mais ils nous aident petit à petit. So step by step, they can help us step by step. I used to hear the Prime Minister of Cambodia. Chen Dakun. J'entends le Premier ministre du Cambodge parler du cinéma et encourager les jeunes réalisateurs. Mais pour l'instant, pas de résultats concrets. Je perds espoir en l'État. Nous avons besoin de personnes compétentes et non corrompues. Travailler avec l'État, pourquoi pas? Mais soyez sûr qu'il y a un contre-pouvoir. Quoi qu'on ait pu entendre, jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais reçu aucune aide du gouvernement. Chai Bora. We're facing a lot of difficulty in terms of taxation. Nous faisons face à beaucoup de difficultés pour ce qui est des taxes, des emplacements, des permissions de tournage ou de la censure. La censure. Oui, la censure. C'est compliqué ici. Leurs contrôles sont stricts en termes de critique sociale, de critique politique et de critique culturelle. Yes, that is the process. Bob Borak. Before you shooting, you have to submit the script. Oui, c'est la procédure. Avant de tourner, vous devez nous soumettre votre script. Notre bureau le lit et délivre une permission de tournage. Après le tournage, vous devez nous présenter votre film terminé pour une vérification. On peut appeler ça le système de censure. Nous utilisons toujours la censure, mais nous la combinons avec un système de classification. Bien sûr, vous devez soumettre votre scénario, comme partout. Auparavant, si vous vouliez tourner des scènes de sexe ou avec trop de nudité, on ne l'autorisait pas. Il fallait couper la scène. Mais aujourd'hui, nous donnons plus de liberté aux cinéastes. Et pour ce qui est de la nudité, nous décidons de qui peut voir le film. Les plus de 18 ans pourront le voir et pas les autres. Le système est en train d'évoluer. Nous avons aussi des restrictions pour des films, certains films, ceux qui critiquent notre culture, notre religion, notre politique, de manière inappropriée. Vous savez, la classification d'Hollywood est complètement différente. Parfois, certains films sont autorisés aux plus de 18 ans, pas au Cambodge. Trop de nudité, trop de scènes de sexe, ce n'est pas adapté à notre public. À cause de la culture, de la religion, ça pose encore des difficultés. Bien que le système de censure évolue avec les mœurs, l'autocensure reste de mise. Pourtant, beaucoup de jeunes cinéastes venant de formations de journalistes ou de documentaristes s'intéressent aux nombreuses questions sociales et culturelles qui se posent au Cambodge aujourd'hui. Darong Manikan. Je pense que la plupart des réalisateurs indépendants s'intéressent aux problèmes sociaux. Quand certains d'entre eux viennent me voir, ce n'est pas simplement pour me dire « Darung, je veux devenir un réalisateur célèbre ». Non, en fait, ils me disent « Je veux parler de ça, par où je commence ». Je pense que c'est très intéressant. Nous avons beaucoup de problèmes sociaux ici. C'est pourquoi nous essayons de les aborder. Comment est-ce que tu t'es formé au métier du cinéma? J'ai achevé mon cursus universitaire en 2012, en multimédia. Après mon diplôme, j'ai rejoint BBC Media Action. Mais la réalisation a toujours été ma passion. C'est pourquoi j'ai choisi multimédia.
Ce n'est pas la même chose, mais c'est ce qui était le plus proche, puisque nous n'avons pas d'école de cinéma au Cambodge. That's why I joined multimedia. It's not, it's kind of like the closest thing that I can get to film in Cambodia because we don't have film school here. So when I joined the multimedia, I continue my master degree in cinematography in India. J'ai fait un master en audiovisuel option image en Inde et je suis revenu pour enseigner ici. Au département de médias et de communication, nous produisions plutôt des documentaires car il s'agit d'une formation au multimédia. Mais en Inde, j'ai étudié le cinéma et quand je suis revenu ici, j'ai intégré le cinéma au cursus, enseignant aux étudiants l'histoire du cinéma et la production de courts-métrages. Les étudiants font toujours du documentaire, mais ils se tournent à présent vers la fiction. Also, the how to produce short film, something like that. So the student turn like from the documentary side. They still do a documentary, but they go a little bit further to the film part. In Cambodia, we don't have film school. Yes. We don't have film school yet. So most of the people, most of Cambodia. Au Cambodge, nous n'avons pas d'école de cinéma. Donc la plupart des gens qui travaillent dans le cinéma apprennent sur le tas. Nos équipes techniques sont douées, mais apprennent toutes sur le tas. So most of our crews, like technical crews, are very very good crews, but they all of them learn on the job, and that's why it is good to have international. C'est pourquoi il est bon que des productions internationales viennent tourner au Cambodge, parce que cela donne du travail à beaucoup de techniciens cambodgiens. A lot of Cambodian technical team as well as creative team. L'absence d'école de cinéma a donc poussé les cinéastes à se former sur le tas, ou en travaillant avec des équipes internationales tournant au Cambodge. Cependant, plusieurs organismes ont créé des formations et des ateliers destinés à accompagner les futurs réalisateurs et les techniciens, notamment la Commission du film cambodgien, le Centre culturel Meta House et le Centre Bopana. La mission qui est désignée depuis le début, c'est le bureau d'accueil les tournages étrangers au Cambodge pour donner l'impact économique du pays, créer le travail, former des gens, voilà. Et grâce à ça, c'est la première mission. On va créer, comment dire, les centres de la formation cinématographique. On n'est pas l'école du cinéma, mais on forme des gens. Ça, c'est une mission. C'est de l'accueil du tournage. On forme des gens pour travailler dans le... s'il y a des tournages étrangers. Former des techniciens pour être prêts à accueillir des gens. Ouais. So there is this, I mean, Cambodia has no film school. So, Nicolaus Mesterham. We are actually bridging this niche. Au Cambodge, il n'y a pas d'école de cinéma. En coopération avec d'autres, comme Bofana qui organise aussi des formations, nous comblons ce manque par des masterclass et par l'accompagnement de réalisateurs qui ont déjà terminé au moins un film. Mentoring and tutoring students who have already completed at least one film when they come with us. Ils viennent vers nous avec une idée et nous les aidons à la réaliser, en fournissant du matériel, une aide technique et artistique. Nous les accompagnons du début à la fin du projet. Actuellement, nous formons des gens à l'audiovisuel. C'est M. Ritipan qui supervise la formation. Il s'agit d'un programme d'un an et nous leur apprenons à se servir de la caméra et du matériel d'enregistrement, à diriger les acteurs. Ça les aide beaucoup à savoir ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent être des réalisateurs, des chefs opérateurs, des preneurs de son. Pendant la formation, ils essayent tout. Il faut l'école des cinémas. Ritea Pichit. Il faut, mais dans quelle manière, j'ai aucune idée là. Peut-être ça vient si on commence avec l'écriture, si on commence avec juste le scénario, et ça sera parfait. Et après la réalisation ou quoi, là. Et après la technique. Parce qu'on a pas mal de techniciens quand même déjà. Create a film school is also important. Creating a film school is. Créer une école de cinéma est important. Les futurs réalisateurs pourraient ainsi se rencontrer et faire des projets ensemble. Mais are you also interested in film?
Est-ce que tu es aussi intéressé par l'aspect théorique de l'apprentissage du cinéma ? Oui, je lis des livres sur le cinéma. Mais c'est difficile d'avoir accès aux livres d'histoire du cinéma au Cambodge. Quand je vais à l'étranger, en Europe, je trouve des livres, mais ici, il faut se débrouiller pour en trouver. Mais c'est aussi important de développer un esprit critique, qui est encore assez absent de la sphère culturelle ici. Apprendre à dire ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, comprendre que l'art peut être politique, tout cela, ça fait partie de cette éducation. En effet, on ne fait pas de cinéma sans public. Je me suis donc intéressée à la manière dont les films étaient diffusés au Cambodge, en comparant la diffusion des productions locales avec celle des films internationaux, qui, dans un contexte de mondialisation, occupent une place essentielle dans la culture cinématographique du public cambodgien. Et en 2011, du coup, notre boîte, Westech Media, a ouvert ses portes. En fait, Westech Media est un distributeur. L'OIT. Donc c'est Westech Media qui a permis de rouvrir des cinémas ici. Pour montrer des films hollywoodiens, il faut bien sûr avoir une licence, demander au studio, Disney, etc. C'est ce qui a permis d'ouvrir un premier cinéma ici, donc le cinéma moderne qui est le Legend Cinema. C'est en 2011, donc ça fait 4 ans, on vient de fêter les 4 ans. Et c'est ce qui a fait renaître l'industrie du film au Cambodge ces dernières années. Parce qu'avant, il y avait quelques films qui étaient faits, bon, classiques films cambodgiens, les films d'horreur, etc. Sauf que pour un producteur, pour faire investir son argent personnellement, pour faire un film qui après ne peut pas être diffusé en cinéma parce que le seul cinéma qui restait encore ouvert c'était le Luxe, ouais. qui est une petite salle qui ramassait pas forcément beaucoup d'argent, et c'est surtout qu'en fait très très vite leur film se retrouvait piraté. Oui. Donc investir de l'argent pour faire un film qui au bout de même pas une semaine se retrouve sur le marché russe, être vendu à $1 l'unité et que le directeur n'en gagne aucun argent, c'était pas rentable. Donc pour ça les gens étaient, très peu de personnes voulaient bosser dans l'industrie du film. D'accord. Et le fait qu'un cinéma ait rouvert, ça a permis de remonétariser l'industrie. Ouais. On a assisté à une nouvelle vague justement de studios de production qui ont ouvert dans tous les sens. C'est intéressant quand même de voir tous ces studios qui sont sortis de nulle part d'un seul coup. Tout le monde se met à faire des films parce que maintenant il y a un intérêt à faire des films. Ouais. Parce que sans cinéma, la vente de DVD ne marche pas. Ouais. Si c'est pour se faire pirater. Au total, pour l'instant, on est à 19 écrans de cinéma. Oui. Donc, c'est pas beaucoup. Quand on a deux films hollywoodiens par semaine qui sortent, donc on a des fois 10 à 12 films en même temps qui se battent pour avoir une place, pour avoir un créneau dans les plannings de chaque cinéma. C'est pas forcément évident de vendre son film. Avant, peut-être dans les années 90, tout ça, là. C'était comme tu as dit, là. Premièrement, on lance des films à la salle de cinéma, oui. Et après, au DVD, et après, à la télévision. Oui. Mais pour les grosses productions. Pour les grosses productions, bien sûr. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, les films restent dans la salle de cinéma. Que dans la salle de cinéma. Parce que ça gagne plus de l'argent. Et ils veulent pas que le film soit à DVD, parce que c'est rien. Ah oui. Parce que les gens ici, les Cambodgiens, on n'achète pas des DVD originales. Ils veulent que protéger le film, toujours là. Les magasins de DVD copiés illégalement sont partout. À Phnom Penh comme en province. On les trouve dans les marchés, mais aussi dans les centres commerciaux et bien sûr dans la rue. Par curiosité, je suis entrée dans l'un d'eux, dans le centre commercial City Mall, tout près du Legend Cinema. Combien coûtent les DVD ici? $1 l'unité. Pour certains films, ils enregistrent le son de la version doublée en Khmer.
Ils montent la version doublée sur la copie étrangère qu'ils ont du film et ils la vendent comme ça. Nous avons encore des problèmes de copyright à cause de l'absence d'application de ces lois et du peu d'intérêt des gens pour la question. C'est un problème. Mais sincèrement, je pense que le Cambodge n'est pas le seul pays concerné. C'est un petit peu partout. The TV station, they broadcast only drama, not a feature film. The local drama. Aujourd'hui, les télévisions ne diffusent que des séries, très peu de longs métrages. Les productions locales ne représentent que moins de 10% du contenu. Ça veut dire que 90% est thaïlandais, indien ou coréen. Le problème est là. Si vous achetez un bon épisode étranger, vous paierez à peine 1 000 $. Mais si vous voulez produire localement, ça sera plus de $3 000 l'épisode. It's very different. That's why the TV station, they don't care about the produce because les chaînes de télévision, ça leur est égal. Si c'est moins cher d'acheter à l'étranger, évidemment, ils le font. Aujourd'hui, le gouvernement essaye de faire en sorte que les séries étrangères soient plus chères que les séries locales. Donc, on augmente les taxes d'importation, on rend l'import difficile pour soutenir les productions locales. Abroad okay. to support the local to produce like that. Et moi c'est pour ça qu'actuellement Jean-Baptiste L. Si je devais faire un bilan ou un truc sur l'état actuel, je dirais qu'il n'y a pas de marché pour le cinéma Khmer. T'as pas de vente DVD, t'as pas de vente télé, donc t'as pas plus que ça pour faire un film. Because this country, you can say that you have no market, yes. Yin Moni Touch. But because au Cambodge. On peut dire qu'il n'y a pas encore de marché. Mais ces dernières décennies, les films qu'on a produits ne sont pas vraiment des films. Ils dépensent 20 000 à 30 000 dollars pour réaliser un film qui finalement n'a pas de scénario. Je suis désolé de dire ça, mais parfois ils ne semblent pas prendre en compte leur public. Pour nous, en tant que réalisateurs, c'est un grand problème, car nos spectateurs se disent « Encore un film cambodgien ?» et ils passent leur chemin. En tant que réalisateurs locaux, nous devons nous améliorer, se montrer compétitifs. Nous ne pouvons pas dire « Je suis cambodgien, regardez mes films !» Non, c'est leur choix. Si vous ne pouvez pas leur fournir de la qualité, même moi je ne veux plus voir ces films. J'y allais avant, mais c'est une perte de temps et d'argent. I go to watch the Khmer movie as well, but since the time I see it, it's yes. Too bad to spend my money, my time on it. Which is yes. Malgré leur qualité, tous ces ghost movies trouvent un certain public. Ils rapportent peu, mais assez pour financer le prochain film. Je suis maintenant au Lux, le plus ancien cinéma encore ouvert à Phnom Penh. Le Lux passe essentiellement ses séries B Khmer et parfois étrangères. Okay. En fait, je ne sais pas si c'est un film de fantôme. L'autre jour, je suis allé voir un film, ça s'appelle Jurassic World. Super film, en 3D. Yes, okay. Did I show my national? Ah, this is national hymn. Yeah. C'est notre hymne national. Vraiment? Avant chaque projection? Oui. Oh, interesting. And you have to sing it? Yeah, I know.
En fait, avant de commencer le film, on doit se mettre debout et le chanter tous ensemble. Mais ici, on ne respecte pas les règles. D'accord. I don't think it is a Khmer movie. Je ne crois pas que c'est un film Khmer. Ils importent des films étrangers. Pas toujours, mais parfois. And do you watch sometimes some Cambodian movies? Est-ce que tu regardes aussi des films Khmer? No, not me. No. No, because. Non, pas moi. Je regarde beaucoup de films hollywoodiens, et donc mon regard est plus ou moins habitué au cinéma américain. Quand je retourne aux films Khmer, je ne peux plus les regarder. Ils sont trop mauvais. J'aimerais bien regarder les films locaux, mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas satisfait. Les gens comme moi qui aiment regarder ce genre de films... Lesquels ? Ceux-ci, les films hollywoodiens. Il n'y a pas tant de Cambodgiens qui les regardent. Pas tant que ça. Not so many. Okay. If you want to study that, you come to Legend. Yes. And then you come to. Il suffit d'aller au Legend Cinema pour voir ce genre de film. La moitié de la salle est à peine remplie. Mais si tu vas voir les films Thaï, tu ne trouveras plus de sièges libres. They show a Thai movie, a double Thai movie or something like that. You will find no seat at all. Oh really? No seat at all. It's the real one, it's the true story here. Everybody loves Thai movie. C'est dur de vendre le concept d'un cinéma. Oui, c'est sûr. Parce que culturellement, c'était pas quelque chose de connu ou quoi que ce soit. Ce qui a été impressionnant, ça a été la première fête des eaux. Mm-hmm. Pendant la fête des eaux, en fait, tous les gens des provinces, des campagnes viennent à Phnom Penh pour célébrer. C'était assez comique à voir parce que tous ces gens qui n'ont pas l'habitude des centres commerciaux, bien sûr, venaient là. Le Soria était plein, le City Mall aussi était plein. Et quand ces gens, ils apprenaient le cinéma et qu'ils rentraient voir ça avec les lunettes 3D, les gens avaient peur. Ah oui. On avait des gens qui littéralement se levaient, criaient, qui disaient « Ah, ça m'arrive dedans !» C'était, de notre point de vue, on est une équipe assez jeune, où on a voyagé, Thaïlande, etc. Donc on connaît les cinémas. De notre point de vue, regarder la population évoluer culturellement avec ça, c'était assez comique. Mais ouais, c'est... Petit à petit, c'est devenu un peu un phénomène de mode. Ils aiment bien ça ici, je trouve, au Cambodge. Mm-hmm. Et maintenant, c'est vraiment devenu une habitude chez les jeunes. Quand ils s'ennuient, tu dis « Ah, on va au ciné ouais. ». La conception d'aller au cinéma regarder un film est encore différente de la façon dont nous, occidentaux, on apprécierait ça. L'impression qu'on en tire globalement, c'est que aller au cinéma, surtout pour voir un film en 3D ou voir un film d'horreur, ressemble plus à une attraction qu'à un divertissement. C'est plus « Ah, oh, on va voir ce film parce qu'il est en 3D. Mm-hmm. » Donc, ça ne les dérange pas d'arriver une demi-heure en retard ou de partir une demi-heure à l'avance. Donc, on n'a pas vraiment ce qu'on appellerait en France la cinéphilie. Non. Ouais. Il y a quand même une communauté de cinéphiles. Oui, mais elle est encore assez faible, je dirais. Ouais. Nous, on a inventé un mot en Khmer pour ça. Ah bon ? Qui s'appelle Jaikon. Comment ? Jaikon. J-A-I-K-O-N. J-A-I-K-O-N. Ce qui littéralement veut dire movie flea, puce de film. Il n'est pas tant utilisé comme un mot à part, mais il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Yes. Yeah, but we don't have the community, you know, screening film and discussing, you know. Nous n'avons pas de communauté qui projette des films ou qui en débattent. J'aimerais faire ça, mais je ne sais pas par où commencer. Oui. Now we divide only two type of film. Il y a deux types de films, le film art et essai et le film commercial.
Mais nous devons nous concentrer sur le cinéma commercial plutôt que sur l'art et essai, car nous autofinançons le film et il faut qu'il rapporte de l'argent. Nous n'avons aucun soutien extérieur. Le public au Cambodge préfère ce qui est habituel. Ils ne sont pas encore prêts à accepter quelque chose de différent. Je dirais qu'au Cambodge, comme ailleurs, le public est plus intéressé par les blockbusters que l'art et essai. C'est un paramètre que l'on ne peut ignorer. Ça ne veut pas dire que, personnellement, je ne soutiens pas l'art et essai. Je pense que cela peut permettre aux réalisateurs d'exprimer un point de vue à travers l'audiovisuel. Pourtant, ce n'est pas ce que le public préfère. Among Cambodian audience. Yeah, currently I am general advisor to Kon Khmer Film Collective. Actuellement, je fais partie du collectif Kon Khmer. C'est une équipe de jeunes qui aiment regarder et réaliser des films. Nous organisons des événements autour du cinéma et produisons nos propres projets. Every now and then we organize film related events or we even produce films by ourselves. La cinéphilie est vraiment un terme très français. Il n'en existe pas d'équivalent exact en anglais. Et mes interlocuteurs ne comprennent généralement pas ma question quand je leur demande s'il y a une forme de cinéphilie au Cambodge. Cinéphiles et cinéastes sont en fait souvent les mêmes personnes. Les films art et essai européens ne sont pas programmés en salle à Phnom Penh. Les Flix Community Movie House, cinéma fonctionnant grâce au volontariat international, projettent néanmoins ces films. J'y ai travaillé pendant quelques semaines avec d'autres bénévoles. Pourtant, les films étant sous-titrés en anglais, cet endroit est adressé aux expatriés plus qu'aux locaux, qui ne le fréquentent pas vraiment. Yes, the movie houses are most frequently visited by the expat community in Phnom Penh. Ramon Stoppenenburg, propriétaire des Flix. Oui, les cinémas sont plutôt fréquentés par la communauté expatriée à Phnom Penh. C'est peut-être parce qu'ils savent quel film il manque, si c'est un succès en France, en Espagne, aux États-Unis. Ce n'est pas une actualité que les locaux suivent. Les films qui remportent des prix en cinéma ne sont pas projetés dans les grands cinémas. Le public serait trop réduit. C'est donc déjà bien si les Flix accueillent une trentaine de spectateurs pour ces films. Des spectateurs qui les apprécient vraiment et reviennent pour un autre film. Si je programme des films Khmer, je ne trouve pas la qualité suffisante pour les projeter. Je reçois parfois des DVD de gens qui me disent « J'ai fait un film, mais c'est un film de 15 minutes. Que vais-je faire d'un film de 15 minutes qui n'est que la copie d'un film thaï ? Ce n'est même pas original. » Et c'est toujours de l'horreur, des fantômes, du sang. Dites-le-moi s'il y a de bons longs-métrages cambodgiens avec une histoire, une intrigue et des personnages développés. Let me know if there's somebody who has a good decent feature film of 90 minutes with a story, with plot development, with character development made by a Cambodian. I'd love to screen it. Le bilan peut paraître mitigé. Pour tenter d'en comprendre les raisons, j'ai posé à tous mes interlocuteurs une même question. Que manque-t-il encore au cinéma cambodgien ? Des réalisateurs créatifs, il y en a, mais ils ne réalisent encore que des films de 15 minutes. Où sont les bons scénaristes ? C'est ce qui manque. Nous avons besoin de producteurs qui peuvent investir. Ainsi, nous aurions moins à nous soucier du côté financier et nous pourrions nous concentrer sur le côté créatif. Ils ont vraiment besoin du soutien international. Le problème au Cambodge, c'est que nous manquons de scénaristes. Nous manquons d'humaines ressources en termes de scriptwriting. Nous n'avons pas de scriptwriter. Donc, la première chose est l'histoire, et l'autre est le jeu d'acteur.
Ici, ils choisissent des célébrités du théâtre ou de la télévision. Et ils pensent que ça aura du succès. Du soutien. Nous avons besoin du soutien du gouvernement et des organismes privés, financièrement et en termes d'opportunités. Les filmmakers en Cambodge, ils tendent à se focaliser plus sur le technical aspect of filmmaking, you know, like camera, yes. Stuff like that. Samuel Ng. When it comes to our discussion with them about storyline, concepts, theme, something deeper. Les cinéastes au Cambodge se concentrent sur le côté technique, mais dès qu'il s'agit d'intrigue, de concept, de quelque chose de plus profond, je pense que tout est affaire de qualité. Ces dernières années, on a produit moins de films, mais de meilleure qualité. Sans atteindre le niveau des autres pays, ils s'améliorent et c'est prometteur. On peut voir que ça évolue. Et d'ici 3-4 ans, la situation se sera encore améliorée. Ces jeunes réalisateurs qui n'ont pas encore fait leurs preuves devraient pouvoir redéfinir le cinéma cambodgien. Difficile de ne pas être optimiste. Il faut être optimiste, mais... peut-être donner encore 5 ans quand même. Jaikon, cinéphile et cinéaste au Cambodge. Réalisé par Naïd Lancio et produit par la Fondation Zelidja. Avec Koulikar Soto, Chai Bora, Jean-Baptiste L, Titen Soum, Sopyip Che, So Shandara, Sokyu Che, Ritea Pichit, Yin Moni Toch, Kavish Nang, Darong Kenmoni, Chanda Kun, Nicolaus Mesterham, Lloyd T, Pok Borak, Sam Nong Eng et Ramon Stoppelnengburg. Musique originale, Zoé Lancio. Doublage, Théo Weyland, Gwenaël Boterf, Lilia S, Ambroise Vincent, Maxime Flynn Candelier, Marc Guillotin, Vincent Guillou, Kéliane, Alexis Mantovani, Okepi, Mégane T, François TJP et Romain Relaine. Diffusion, Belisère Radiophonies. Remerciements à Choum Virak, David Chou, aux sociétés Sastra Films et Shoot Productions, au Flix Community Movie House et à la Fondation Zelidja.